objectif, des personnes sans domicile fixe. Faire ces photos leur en quelque sorte donner la parole. Une expo à découvrir à la médiathèque d'Ilkirch. C'est très agréable à faire. Pour moi, c'est de la paix dans ma tête. Ça me fait un peu reposer ma tête. C'est ça, le repos, le calme. C'est la première fois que vous êtes exposée, c'est chouette. C'est la première fois que je suis exposée. C'est bien d'être exposée, non? Oui. Ils sont une trentaine à être passés en 5 ans par l'atelier photographie de l'association Antenne de Strasbourg, qui travaille avec ce qu'on appelle les exclus. Un appareil jetable en main, 15 jours pour en vider la pellicule, c'est la règle du jeu. Moi j'aime bien celle-là. Laquelle? Celle avec les lignes du tram, là. Et ça c'est la découverte. C'est bien de découvrir des choses nouvelles qu'on ne connaît pas. Et ça apporte quoi de faire des photos? Certaines photos permettent de transporter les gens dans un autre monde, dans un autre lieu, dans une autre fenêtre, dans un autre espace. Ça communique? C'est complètement. Même si ça parle pas, mais ça parle. Au centre de l'exposition, il y a un panneau de vélo déglingué. Toute une pellicule faite un jour par un homme passé à l'association et jamais revenu. Ben, je pense qu'il est venu, il a lancé son cri, il nous a dit quelque chose et puis il n'éprouvait sans doute plus le besoin de revenir pour répéter ce qu'il avait déjà dit par la photo. Pour lui, la photo, c'était vraiment un langage. Voilà Philippe, qui fait d'ordinaire des portraits, et voilà ses propres chaussures, qu'il a photographiées. Et voilà Lucien, Jocelyne, André et Mahmoud, en état de marche. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, salut!